Monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un petit déballage, c'est pas un partenariat, c'est juste que voilà. J'ai passé commande chez Obi pour ma couverture météo de 2024. Il me manquait quelques laines et du coup je les ai commandées et j'ai pu les commander pendant une promo. Alors on va ouvrir parce que j'ai même pas regardé, j'ai pas ouvert. Alors je pensais les avoir avant le premier, mais non, je les ai eu aujourd'hui, donc le 2, mais bon, c'est pas grave. Allez, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, d'abord, je vous montre. On a commencé la couverture météo de 2024. Voilà. Donc, ça, c'est comme l'année dernière. C'est ma petite, mon petit nuancier. Et vous voyez, il me manquait 1, 2, 3, 4 couleurs. Il me manquait 4 couleurs. Une ici, là, là et là. Donc normalement, si je me suis pas plantée, elles sont dans le paquet. Alors celle-là, je l'ai déjà, je sais. La 30, ouais, 30, je l'ai déjà. Alors, je vous remettrai des photos, ce sera mieux. C'est un vert, comment ils appellent, ah, ouais, il n'y a pas de nom chez eux, c'est un vert menthe, mais ouais, c'est beaucoup plus foncé que ce que vous voyez là. Alors ça, j'en ai une, deux, ici c'est, ah, celle-là je l'ai aussi. Vous allez voir que je me suis plantée dans ma commande. Donc ça, c'est un gris. C'est le 08. C'est la deuxième. Pareil. C'est quoi ça? Ah oui. Je vous le montre après. Ah, voilà. Donc ça, c'est une que je n'avais pas. Oh là, c'est une que je n'avais pas, donc c'est un autre gris plus clair. Voilà, c'est le 13, c'est ça, et celui-là va aller pour la température de moins 11 et moins encore. Vous voyez, il y a une petite différence entre les deux gris. Ensuite, ça, je sais qu'il y est déjà, mais c'est parce que j'en avais pas d'avance. C'est la 21, voilà, un bleu turquoise, voilà. Mais je vous dis, hein, je vais vous remettre les photos des vraies couleurs, donc j'en ai deux aussi. Ça, pareil, je l'ai déjà, c'est la 29, oui, donc c'est un vert, alors je vous montre avec l'autre, c'est un vert, alors vous le voyez bleu, mais c'est un vert plus clair. Oups, j'ai oublié de commander une couleur. Bon, ça va, c'est pour les températures 26 et 30. Donc, j'ai le temps. Celle-ci, c'est du 17. Oui. Là, c'est pour les températures qui vont aller... Oh là, elle a pris cher, celle-là, la terre scotchée. C'est pas grave. Alors, celle-là, la 17,
C'est pour les températures de 6 à 10 degrés. Voilà. Ça, ce sont des nouvelles. Voilà. L'année dernière, je ne l'avais pas utilisée, celle-là. Je ne l'avais pas mise. Et là, j'ai voulu faire une... changer un petit peu. Donc, celle-ci, c'est la numéro 59. Ce sera pour les températures moins 1 à moins 5. Voilà. Donc, voilà, vous voyez. Hop, hein, si je mets de tout près, ça va peut-être, non? Ouais, bon, non, ce sera mieux avec les photos. Hein. Voilà, et la dernière. Hop. Donc, ce sera un violet plus foncé, voyez. Là, ce sera pour les températures qui vont de 5 à 0 degrés. Voilà, alors celle-ci c'est la numéro 60. Voilà, en plus elle est belle celle-là, j'aime bien. Alors voilà. Oh, pas eu de bonbons. Ils ont oublié le bonbon. Ils ont oublié le bonbon. Bon, ou alors il n'y en a plus. Ils n'en mettent plus. À moins qu'ils l'aient mis là-dedans. Non. Alors, j'ai pris... oh, zut. Grâce à mes points de fidélité. Comment on appelle ça? Alors, eux appellent ça des stitches. Stopper, donc c'est des stoppers pour les aiguilles. Voilà, et comme ça, ça fait un peu comme des rondelles, voyez. Donc c'est un petit peu mou, voilà. Enfin, c'est pas mou, hein, mais c'est un petit peu souple. Donc il y a trois tailles, il y en a deux de chaque, bien sûr. Oh, excusez-moi, mais vous avez l'habitude maintenant avec moi. Alors, 18 sur 12 mm. 16 sur 10 mm. Et 14 sur 10 mm. Voilà. Bon, j'essaierai sur mes aiguilles, je vous dirai ce que j'en pense. C'est pour les... Bon, là, cela, ça va être pour les fines aiguilles, hein. Et là, moi, c'est surtout ceux-là qui vont m'intéresser. Parce que ben, à chaque fois que je range dans mon sac, j'ai des stops, des stops aiguilles. Mais soit c'est trop grand, soit ils sont trop petits. Du coup, ben, je perds mes mailles dans mon sac. Et ça commence à m'embêter. Donc là, j'ai pris ceux-là. Bon, ceux-là, on les a gratuits. Hein, normalement, ils ne sont pas en vente du tout. Mais s'ils vont bien, aux prochaines commandes, avec mes points de fidélité, j'en reprendrai un lot ou deux. Voilà. J'en prendrai un lot ou deux pour en avoir plusieurs. Voilà. Donc voilà. Bon, à part, alors il ne me manque plus qu'une couleur. Je pensais l'avoir commandée. Mais non. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vous mettrai la photo. C'est un jaune pâle. Voilà. Ici. Donc là, je vais pouvoir mettre. De laine qui me manque. Alors comme ça, le nuancier, c'est bien. Bon, j'ai une colonne avec les températures, j'ai une colonne avec la référence de la couleur. Là, j'ai mis la photo de la pelote de laine, voilà.
Et ici, donc, je mets l'échantillon de laine. Alors, nous sommes le 2 janvier et bien sûr, j'ai commencé ma nouvelle couverture. Bon, j'ai pas fini l'autre, hein, mais je vais la finir, hein, vous inquiétez pas. Alors, je voulais faire à la base des carrés de granit. Puis j'ai trouvé que ça allait être long à faire. Je me trompe peut-être, hein, mais voilà. Après, je me suis dit, je vais faire le point de granit juste, mais en ligne. Et je me suis dit, ça va manger de la laine. Donc là, comme celle que je dois finir, elle est en maille serrée. Là, je l'ai fait en bride. Voilà. Juste des brides. Comme ça, des petites brides. Alors, j'ai ma chaînette, bien sûr. J'ai fait quand même une ligne de maille serrée. Voilà, pour bien tenir le bas de ma couverture. Et maintenant, je fais. Alors, l'année dernière, je faisais un aller-retour. C'est peut-être ça aussi qui m'a fait perdre le fil de ma couverture. Là, je ne fais qu'un aller. Voilà, une rangée par jour. Donc, là, en bas, je vous dis, maille serrée, ça compte pas. Hein. Et là, une ligne en bride, donc c'était hier, elle était à 8 degrés hier, et là on a déjà changé de couleur, voilà, donc vous voyez, ce sont des brides, donc on a changé de couleur pour mettre un bleu, bleu, non je l'ai pas, ah bah si c'est celui-là, pour mettre celui-là, et c'est bien sûr toujours en bride, voilà. Donc, ça va être comme ça tout au long de la couverture. Elle sera du coup moins longue que l'autre, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Donc, voilà. Donc là, je vais rajouter une pelote de ce qu'il me manque dans... Alors, ça va être celle-là, celle-là. Et celle-ci, oui, ça c'est les trois qui me manquent dans mon sac et sur mon nuancier. Et voilà, donc dans mon sac, j'ai mis une pelote de chaque. Voilà, je crochète avec un crochet numéro 4, comme l'année dernière. Voilà, donc moi c'est au crochet, la laine c'est de l'Amigo chez Obi. Sûr, rien n'a changé par rapport à l'année dernière. Moi, du coup, je la prends en promo. Là, je l'ai eu à 1,90 € la pelote au lieu de 3,65 €, je crois. Un truc comme ça. Je vous remets de toute façon en barre d'infos le lien pour si vous êtes intéressé par cette laine-là. Alors, c'est pas de la laine. C'est du 100% acrylique. Ce sont des pelotes qui font 50 grammes pour 175 mètres. Voilà. Alors, c'est... La numéro 3, ils appellent ça la light. Elle se tricote en 4 et au crochet, vous pouvez la faire en 4 ou en 5. On la lave à la main à 30 degrés. Ou alors si vous avez un lavage froid sur votre machine à laver, ou le faites à froid, c'est très bien. Pas longtemps, pas trop essoré quand même. Le programme court, voilà. Pas de repassage. Pas de javel, pas ceci, pas cela. Mais ça, on sait, hein, on s'en fiche un peu. Enfin, non, on s'en fiche pas. Je me suis fait mal. Voilà, je sais pas comment j'ai fait mon compte. On s'en fiche pas, mais je veux dire, c'est une couverture. Donc, voilà. J'ai rien d'autre à vous dire dessus. Non. Non. Sauf qu'elle est très douce. C'est une laine vraiment très, très douce pour de l'acrylique.
Donc, même si vous ne faites pas de couverture météo, mais que vous voulez faire un vêtement avec, un pull, une écharpe, un gilet, un bonnet, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, moi, il va me rester certainement des laines que je ne vais pas utiliser cette année. Il va me rester des laines. Je vais voir ce que je vais en faire. Je ne sais pas. Alors, soit tricoter un truc pour moi, pour mes petits-enfants, ou alors faire des housses de coussin, pourquoi pas. Je verrai. Je verrai ce que j'en ferai. De toute façon, comme je vous avais dit, il faut que je range ma tricothèque, que je retrie bien, que je remets tout. Hop. Chaque chose à sa place. Mais de toute façon, avant, il faut que je re-range mon atelier parce que Hiroshima a encore sauté dans l'atelier. C'est une horreur. Mais j'arrive pas à garder cette pièce rangée. Voilà. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, elle est pas très longue, vous aura plu, vous donnera des idées. Si vous faites la couverture météo, bon, malgré que qu'on l'a déjà commencé, vous pouvez encore la commencer maintenant, hein, même dans une semaine. Il vous suffit de relever tout de suite vos températures, voilà, de les marquer sur un papier ou le calendrier que moi j'ai mis sur le groupe. Il vous suffit de l'imprimer. Voilà, et puis vous notez vos températures dessus. Donc voilà. Maintenant, je vais remettre tout. Je ne vais pas ranger aujourd'hui, mais je vais juste remettre celle-là dans le sac, celle qui manque. Et je rangerai tout ça demain. Ouais. Là, j'y tard. Je vous mets également. Alors, le lien, il y est toujours. Mais je vais vous le remettre en haut, en barre de description. C'est un lien de parrainage. Moi, ça me ramène 100 points. Voilà, hein, je vais pas dire que ça me ramène rien. Hein. De toute façon, les liens de parrainage, ça ramène toujours quelque chose aux deux personnes. Sur Obi, à chaque fois que vous commandez, mais que vous mettez un avis, pas quand vous commandez, mais quand vous recevez, que vous mettez un avis sur le site pour l'article que vous avez reçu, vous avez 100 points. Si vous faites des parrainages, vous avez 100 points par parrainage. Si vous mettez une photo du tricot que vous avez fait avec les laines Obi, ça vous ramène 150 points. Voilà. Quand vous vous inscrivez, pensez à vous inscrire, à inscrire votre anniversaire, tout ce qu'on vous demande, parce que tout ça va vous ramener des points également. Voilà. Si vous inscrivez à un newsletter, c'est pareil, ça vous ramène des points. Voilà. Et après, avec ces points, vous avez une rubrique, la boutique, comment ils appellent ça? La boutique fidélité ou boutique, ou un truc comme ça. Et là, vous avez toute la liste des, enfin, vous avez tous les petits cadeaux comme ça. Alors, il y a à tout. C'est pas des prix, c'est un nombre de points. Il y a des pelotes de laine, il y a des petits gadgets comme ça, il y a des boutons, il y a des pins, il y a des sacs à projet, il y a plein de choses. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage et à commencer à cumuler des points également. Voilà. Alors, vous pouvez commander chez eux, hein, j'ai jamais eu de problème. C'est une boîte qui est dans les Pays-Bas, au Danemark, je crois. Ils livrent. Bon, là, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais parce que c'était les fêtes. Mais on est livré assez vite.
En moyenne, une semaine, on est livré. Plus, c'est 10 jours, mais c'est plus rare. Je suis habillée comme une sorcière. Les tarifs sont très bien. Il y a des promos très, très, enfin, tout le temps. Il y a toujours des promos. Voilà. Bon, les frais de port ne sont pas gratuits. Ils sont gratuits à partir d'un certain montant. Je ne sais plus si c'est 50 euros, 60 euros. Ou... Voilà. Mais bon, vous verrez sur le site. Mais de toute façon, bon, ça grimpe très vite, hein, parce que si on est sur cette boutique-là, il y a tellement de choses qu'on aura envie de tout commander aussi. Il y a de la vraie laine, il y a de l'acrylique, il y a du mohair, il y a mohair et soie, il y a des laines à chaussettes, il y a plein, plein de choses. Donc, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir, inscrivez-vous. Et commencer à cumuler des points pour avoir plein de petits cadeaux et à passer des commandes, vous ne serez pas déçus. Voilà, bah, je crois avoir tout dit. Bon, j'ai pas eu mon bonbon. D'habitude, on a un petit bonbon. Mais là, bon, peut-être qu'ils en ont plus ou qu'ils ne le font plus. C'est pas grave, hein, c'est pas pour un bonbon. Donc voilà. Oups! Regardez le petit sachet, ça peut toujours servir. Bon, j'accumule pas, hein, mais des petites choses comme ça peut servir pour mettre un petit reste de toile, un petit reste de laine, des petites choses comme ça. Ça peut servir. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.